was a young pig from Racine, whose botanical interests were keen. He planted a sock in a bright window box where it blossomed and sprouted a bean. I don't know why that came into my head. Oh, yes, I do. The boar. I almost forgot. A beautiful black and white Icha Heap highball that's been spotted in the vicinity of McFarland's Ranch and Thieves' Landing, which has attracted the interests of local hunters. I was thinking perhaps you could try to beat them to it. I'd love a sample. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, oui. On se retrouve alors pour une nouvelle vidéo. Donc, sur un sanglier. J'en ai déjà fait une. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Pourquoi ça change? Pourquoi ça change pas? On verra. Donc déjà, c'est plus ou moins dans la même zone. Plus ou moins. Espérons juste que... Comment on peut dire? Que ce ne soit pas le même scénario là où j'avais quelques croisés. Parce que juste avant de revoir l'animal dans la vidéo, je l'avais pas noté, mais j'avais des cadavres. À cet endroit-là, donc je me suis dit que ça doit être l'animal qui les a tués, vu comment il était énervé, vu comment il m'a balancé. Et là, c'est le Ikai. Si ça se prononce comme ça. Légendaire. Doudoudoum. Déjà, ce serait mieux que je regarde. Il a voulu une boîte de conserve. Non, je pense que c'est juste un mec qui les a balancés là. Puis il les a trouvés, quoi. Bah, ouais. Je sais pas comment le personnage peut savoir que ça n'a pas lien avec lui, hein, mais il est chaud. Ça tue les écureuils, les zombies? Non. Bon bah oui, il y a un sanglier, je vois. C'est carnivore. Je pense que bon, le sanglier s'en fout un peu de l'écureuil, quoi. Que bon, il y a des animaux, ils sont herbivores, ils jouent bien avec des avec des animaux comme si c'était une proie. Bon, ce serait possible aussi. On prend tous les jours au moins avec la dette. Donc. Si, là j'ai une trace, le jeu. C'est une chaise. Ça n'a rien à voir avec lui. Non, c'est plutôt une caisse. Continuons à chercher. Ouais. Non. Ah, désolé pour ça, pour notre pote, hein, mais bon. Pas trop envie de me faire déglinguer par des loups. Donc, même là-dedans, on peut tomber sur des loups, tout ça, ok, on peut tomber sur d'autres animaux vraiment qui veulent nous attaquer. Pour trouver, c'est pas si simple en fait. Vraiment bien faire le tour. Après, j'imagine que je pourrais utiliser la petite fiole, tout ça, pour le trouver. Mais est-ce que ce serait pas un peu de la triche? De toute façon, j'en ai plus. Je crois que j'en ai plus. Bon, j'ai un de discrétion, mais bien évidemment, je suis à peine fatigué. Un de discrétion, mais j'en ai pas un qui permet de localiser vers là où ils peuvent se trouver. Les animaux légendaires. Je suis quasi sûr qu'il y a d'avoir quelque chose ici. Qu'est-ce donc? Du bois. Ouais. Pas très... Ouais, un indice, quoi. J'adore le jeu. Ouais, il y a un animal qui fouille ici. Ouais. 2 plus 2 égale 4. Ouais. Je me coupe le doigt, je vais avoir mal, ouais. Ouais. Non mais pourquoi pas? Comme je dis, chacun son interprétation.
Bah on le sanglier commence à me casser les couilles. Par où je suis passé? Je suis passé près de la voie. Je suis pas allé ici même. Parce que la zone est-elle plus grande que pour le mouflon? La zone est bien plus grande que pour le mouflon. Moi là-dessus c'est clair et net, c'est acté, c'est prouvé. Te pète pas la gueule, Michel. J'allais plus par là. Prenez, ah bah. Je viens de croiser ses potes. Je vais peut-être en prendre un en photo. Voilà. Là, pour qu'on s'en puisse, c'est terminé. Ça, c'est fait. Donc, vu que j'ai croisé ses potes. Ouais, puis. C'est des excréments. Ouais, je pense. On m'a trouvé enfin le chemin. J'ai les bons outils pour le chasser. Pour le chasser, non. On va pas le tuer, le gaillard. Pour l'instant. Là, on est sur une plus petite zone. Mais vraiment dans les marécages, hein, pas comme celui que j'ai eu la dernière fois. En mission. Je préfère faire gaffe en fait pour pas qu'il me démonte d'un coup en fait. Qu'est-ce donc? Ah bon, c'est la suite. Si énervé que ça, un sanglier. Bon, j'ai peut-être pas besoin d'éliminer les braconniers en rien. J'ai réussi à le prendre en photo. Et voilà. Moi, c'était un peu drôle le fait qu'il démonte un dégât. Je sais pas s'il l'a tué, je crois quoi, en plus. C'était marrant. Pour moi, c'était marrant. Je sais pas si c'est autant énervé. Parce qu'en fait, il est pas très grand, quoi. Je crois qu'il y a des sangliers qui sont bien plus massifs, mais je crois que ça pèse une blinde, hein, quand même, pour ce que c'est. Je crois vraiment que c'est un énorme poids pour ce que c'est en réalité. Donc là on est d'accord qu'il faut juste que je le tue encore une fois. Bah que je le tue réellement quoi. Je l'ai pas photographié pour le jeu. Je comprendrais pas trop ce délire là en fait. Mais bon. Ça c'est autre chose. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour d'autres chasses folles et entraînées. On espère. Salut!